Miguel, hein, le pigeon. Normal. Donc lui, je l'ai récupéré, ben, j'étais chez le vétérinaire pendant le confinement. Il est tombé du toit et la dame qui nourrit les chats dans le village, ben, en fait, il y avait qu'elle dehors pendant le confinement. Hein, Miguel. Donc elle me l'a passé, je l'ai pris, je l'ai voulu le passer à la vétérinaire qui l'a pas pris. Et ben, et elle m'a dit, ben, nourris-le. Ben, voyons une association de chats avec un pigeon. Donc je l'ai pris, je l'ai nourri, il a grandi et voilà. Hein? Il est en liberté et il veut pas partir. Son meilleur ami, c'est Oreo. Oui, ils sont toujours en train de se faire des jeux, des papouilles. Oui, ils jouent ensemble. Hein, Miguel? Et en fait, ben, il s'entend avec tout le monde. Enfin, il s'entend. Il a peur de personne et du coup, il arrive à cohabiter avec tout le monde. L'oiseau avec les poules, j'étais très vigilante au début, hein, parce que les poules, de temps en temps, elles se disent « Oh, un intrus, on va lui sauter dessus. » Mais il a appris à se méfier de qui il fallait. Et le plus étonnant et épatant à regarder, c'est son comportement avec les chats. Hein, mon Miguel? Parce que donc les chats, ils voient un oiseau, ils se disent « Super, je vais lui sauter dessus et en faire mon 4 heures. » Et lui, il est amoureux des chats, vu qu'il a grandi avec les chats et les chiens. Donc, super, un copain chat! Et il s'approche du chat, sans la moindre peur, en faisant des roux et des danses de séduction. Du coup, réaction du chat, je me suis trompée, c'est pas un pigeon, en faisant demi-tour. Du coup, aucun chat essaie de l'attaquer. Et tous les chats le fuient. Hein, Miguel? Et lui, il leur court après. Revenez, revenez, je vous aime, les minous! Donc voilà, Miguel fait partie de la maison. Allez, venez les petits minous! Bah alors là, c'est mes minous le cause. On doit avoir à peu près une trentaine de chats dans le refuge. Tout le monde passe chez le vétérinaire avant d'intégrer ici. Et on teste tout le monde, sida et le cause. Et ben là, c'est mes enclos des petits le cause. Donc il y a les enclos avec les le cause. L'enclos d'à côté où ils sont sains. Un autre en hauteur. Oui, j'écrase toujours sécurité. Parce qu'après, on retrouve les chats avec la tête. Hop, clac, clac, sécurité. En haut, après, j'en ai d'autres qui ont aussi des virus et que je soigne. Ça va d'ailleurs être transformé en infirmerie. Donc, on va faire une infirmerie pour ceux qui ont besoin d'inhalation, de choses comme ça et qui ne doivent pas vivre dans l'humidité. Et après, il y a le gîte. Donc, il y en a qui sont en intérieur, notamment les chatons ou les chats vulnérables, les chats âgés, les chats avec des pathologies. Voilà, donc il y a en intérieur. Et les enclos extérieurs. Pourquoi je fais pas un enclos géant, mais deux? Parce que le chat n'aime pas vivre avec ses congénères. Le chat, il est fait pour vivre seul. Même si oui, il peut en accepter d'autres et que tout le monde, il y en a toujours un qui va me dire, oui, ben moi, mes deux chats, eh ben, ils dorment toujours couchés ensemble. Oui, ok, mais le chat doit pouvoir vivre seul et dans la nature, il vit seul. Donc, là, il y en a mon petit cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 dans cet enclos qui doit faire, je ne sais plus combien on avait dit la dernière fois, un peu moins de 60 mètres carrés. Lui, c'est mon petit dernier arrivé, qui était très perturbé d'être ici. Et là, ça va déjà beaucoup mieux. Oui, mon cœur. Oh là là, ça c'est une victoire. En direct en plus. C'est la première fois qu'il mange devant moi et si près. Bonjour, mon cœur. Oh, c'est la première fois que je le caresse. Bon, là, à l'intérieur, c'est Noël. Voilà, elle lui a fait... Ben, c'est pas grave, ça ne le dérange pas. Hein. Là, c'est le début. Alors oui, ok, ils sont porteurs de leucose, mais ils sont super sympas, ils sont mignons. Pour moi, chaque chat mérite sa chance. Oui, il y a des noirs, mais franchement, en association, moi, j'ai aucun souci avec les chats bleus, verts, noirs, jaunes, à trois pattes ou à quatre pattes. Les gens qui viennent en association, ils ne viennent pas acheter un Maine Coon à 2000 euros. Ils viennent sauver un animal et avoir un coup de cœur et créer le lien. Donc moi, j'ai envie de croire qu'ils pourront tous trouver leur famille. Oui, du coup, là, il y a 6 chats et j'en mettrai pas 12. Donc si on m'appelle pour 5 chats le cause, ben, je vais devoir refuser. Alors, c'est triste de refuser. J'ai travaillé dans d'autres associations, d'autres refuges avant de monter... ma structure. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui me disent, moi je fais la quantité plutôt que la qualité parce qu'il y a trop de misère dehors. Donc c'est vrai que quand qu'on regarde l'extérieur, on a envie tous de les ramener dans le refuge. Mais quand on est au refuge et qu'on s'occupe des chats, moi c'est pas juste je mets des croquettes, de la pâtée, de la litière et basta.
je joue avec, j'apprends à cerner chacun. Par exemple, Windy, eh ben, elle aime pas qu'on la caresse. Ah, pourquoi vous voulez me toucher? Je suis la princesse. Siwo, c'est le petit bébé. On peut le prendre dans les bras, le mettre sur son épaule. Il veut plus descendre. Mon but, c'est vraiment que ce soit, que le refus soit une transition et que ce soit fait en respect de chaque chat qui est unique. Donc, je suis vraiment à leur écoute et je m'informe et apprends chaque jour sur l'éthologie féline. Du coup, quand les gens arrivent, parfois ils viennent pour prendre le chat noir et hop, coup de cœur pour les cailles de tortue à côté. Je regarde vraiment le comportement des gens avec les chats. Tic, tic, tic. Là, le chat, il a envie de jouer, il n'a pas envie d'être porté, donc on ne le porte pas. On lui donne envie de venir. J'explique beaucoup comment jouer avec les chats aussi, comment se comporter avec eux, les comprendre, répondre à leurs demandes. Parce que le chat, il ne fait pas de bêtises. Il essaie juste de nous faire comprendre quelque chose. Par exemple, les gens patients qui disent « Mon chat, ça fait 3 ans qu'il fait pipi partout, mais je lave les couvertures, je suis patiente. » Oui, c'est super d'être patient, mais en fait, le chat, il est en train de vous communiquer un message. Ah, je pars avec ma proie. Bon, ben, il nous a piqué la plume. Donc, le chat qui, du jour au lendemain, se met à faire pipi à côté, veto. S'il n'y a pas de problème médical, on va voir le comportementaliste. Nous aussi, on fait appel au comportementaliste. Parfois, on a besoin de déverrouiller des clés, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est vraiment de travailler en collaboration avec la comportementaliste de Montpellier qui nous a appris à, je vais utiliser ces mots, à porter des lunettes chat. Donc j'essaie vraiment, on ne fait pas d'anthropomorphisme, j'essaie de me mettre à la place du chat. Et c'est beaucoup plus facile à gérer et c'est tellement excitant de chercher à comprendre et de résoudre ces énigmes. C'est ce que je disais hier, le chat il a besoin de rituels. Donc tous les jours, je viens, je mets la pâtée au même endroit, je fais les litières, je prends le même chemin. C'est comme ça que petit Kiki Gris, en 4 jours, il a compris que je lui demandais rien, que je lui donnais des choses positives et que tout le monde s'amusait avec moi. Elle est où ma petite plume? Elle est là, je peux récupérer ma plume. La plume. Tu veux jouer à la plume? Oh oui. Lui, il court partout. Joue avec le chat. Oui, regardez, je ne suis pas... Je suis juste un frigo pour mon chat. C'est vous qui avez créé ça. On n'est pas juste un frigo pour un chat. Oui, oui. Et le chat est thérapeute, mais pas que ça. Donc on ne prend pas non plus un chat pour guérir de dépression. Hein? Oui, oui, oui. Parce que le chat est une éponge. Voilà, donc même si quelqu'un craque sur une photo ou me dit « je veux un chat roux parce que j'ai regardé Garfield toute ma vie », moi je prends tous les critères qu'il y a autour. Donc j'ai besoin de savoir l'environnement, la superficie de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres chats, d'autres animaux? Est-ce qu'il y a des enfants? De quel âge? Je veux rencontrer tout le monde. Donc j'amène pas le chat dans l'environnement, c'est les gens qui viennent ici voir le chat dans son environnement, comment ça se passe. S'il y a des enfants, je veux les voir. S'il y a un monsieur à la maison, je veux le voir aussi. Parce que le chat, je lis en lui. Donc c'est vrai que je suis réputée pour être dure. Je me suis beaucoup remise en question et je me remets tout le temps en question. Mais je suis pas dure, je suis exigeante parce que je veux que le couple humain-chat qui sera formé dure pour la vie. Dure pour la vie. Je suis le mythique des humains et animaux. Et tous nos chats ont un parcours de vie différent. Il y en a trouvé dans la forêt, la maman avec les bébés sur une belle taie d'oreiller. Donc ouais, déposé par quelqu'un, ils ont connu l'humain. Donc c'est pas de la socialisation que je fais parce que ça c'est les premières semaines de vie. C'est réapprivoiser et redonner confiance. Et lui, il a été trouvé avec ses 3 frères et sœurs en bord de route dans un sac en toile de jute. Alors, ouais, pas cool. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire que poser en bord de route dans un sac, ça, la personne espérait peut-être que quelqu'un d'autre les ramasse. C'est ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est rentré du travail, il a entendu miou miou. Son attention a été attirée par le sac, il était allé vérifier et hop, il y avait des chats. Du coup, il a contacté le vétérinaire avec qui on est partenaire. Et c'est comme ça que les chats sont arrivés chez nous. Il y avait du boulot et du coup, il y en a qui sont le cause dans le lot, d'autres qui ne sont pas le cause, donc qui sont sociables, d'autres qui ne progressent pas. Donc sur les 4, il y en a un qui sont là, 2 qui sont en haut et un 3e qui va peut-être être libéré dans le grand jardin de notre super assistante vétérinaire. Parce que si le chat ne cherche pas le contact avec l'humain et que la phase de socialisation est passée, les premières semaines, on ne pourra jamais apprivoiser un chat sauvage, adulte, jeune adulte ou passer un certain temps.
Après, il y a aussi les gènes et tout ça. S'il est de parents sauvages, eh ben parfois, au milieu de la portée, il y en a un, on n'arrive pas. S'il ne veut pas le contact avec l'humain, on ne va pas le forcer, on ne va pas le séquestrer à vie. On fait comme je fais là. Ben, ils sont en liberté, ils ont des pôles de croquettes, des pôles pour dormir. Et ils font leur vie. Bonjour, mon petit cœur. Bonjour, mon petit cœur. Donc, lui, il est arrivé hier. Petit passage veto. Ah, mon cœur, oui. Hier, on a fait le test. On a fait la petite pipette. Oui, mon amour. Et hier, oh mon bébé, merci pour ta confiance. Oui, mon cœur, tu veux un peu de la pâté? Donc voilà, là, le roux. Mon cœur. Le roux, il est arrivé hier. Du coup, c'est vrai que j'ai mis sa caisse là. J'ai ouvert et j'ai laissé faire. Et j'ai laissé aussi sa caisse parce que c'est son seul point de repère. J'étais chez le vétérinaire quand il était arrivé. Et qu'on lui a fait les premiers tests, le vaccin et tout ça. Donc négatif, sida, leucose, tout ça. J'ai besoin de savoir vraiment avant qu'ils arrivent et de les protéger. Et de les déparasiter, sinon j'ai tout le monde à traiter. Et en fait, je suis arrivée, elle était dans les bras de la vétérinaire. Elle me dit, je lui ai fait la prise de sang comme ça, en le caressant, il patounait, tout ça. Vraiment le gros bébé qu'on prend dans les bras et qui est en confiance totale. Mon cœur ! Mon cœur ! Oui ! Donc là, c'est vrai que si on le voit comme ça, on se dit, oh, mais il est craintif ce chat. Non, juste... Un chat, ça vit pas en meute, c'est pas comme la rencontre de chiens. C'est bon, ils s'entendent, ils se rompotent. Là, il arrive chez d'autres qui sont plus ou moins OK pour l'accepter. Ah. Lui, par exemple, il n'est pas très OK, tu vois. Sauf que le chat, ils vont se battre et aller jusqu'à la mort s'il n'y a pas d'issue. Le chat, il fuira plutôt qu'aller au combat. S'il va au combat, c'est que c'est plus vital de se battre que de céder la ressource pour laquelle il se bat. Donc, un chat qui vient, qui se bat avec le chat de la maison pour rentrer par la chatière et piquer des croquettes, s'il va jusqu'à ce conflit, à rentrer dans sur un territoire qui n'est pas le sien, c'est que c'est vital pour lui d'avoir accès à ses croquettes. C'est que c'est un chat qui est affamé. Donc, le chat, il n'y a pas de chat méchant. Et là, il n'est pas craintif, il est juste totalement perdu d'être dans cet endroit clos. Il est arrivé, le gros noir et blanc, il lui a bien expliqué, ici, c'est déjà occupé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, direction, je vais m'échapper. Et il a bien vu qu'il n'y avait pas de possibilité de s'échapper. Quelle est sa première réaction? Essayer de fuir. Du coup, Picasso, il n'a pas collé dans un coin jusqu'au combat. Il a vu que lui fuyait. Donc, ça veut dire qu'il va accepter de composer pour vivre en colocation. C'est comme nous, hein, vivre en colocation, tout le monde ne le veut pas. Et même en couple avec l'amour, voilà, c'est compliqué. Normalement, on ne met pas la main comme ça dans une cage. Le chat, s'il se met là, c'est qu'il a envie d'être tranquille. Donc, si on y va, on a 9 chances sur 10 de se faire déchirer la main. Mais moi, je sais que je peux. Oui, mon cœur, coucou. Voilà. Parce que je l'ai vu chez le vétérinaire, c'est un gros nounours. Il aime l'humain. Et là, ce qui ne le rassure pas, c'est toutes ces odeurs, tous ces chats. Et notre petite bouboule noire et blanche. Voilà, donc je lui montre déjà que dans ce nouvel environnement, il y a une chose positive. Moi. Hop. Donc du coup, s'occuper des chats, c'est pas juste faire les litières et amener des croquettes. Ça, en fait, même si j'ai 30 chats ou même si j'en ai 60, je peux le faire facilement. Le but, c'est de jouer avec eux, de prendre le temps, de leur donner l'envie de venir vers nous, de leur redonner confiance à ceux qui ont vécu un traumatisme, ou les chatons, de les sociabiliser, les socialiser à l'humain. Donc en fait, moi vraiment, le refuge, il est ouvert. J'aime la pédagogie, transmettre tout ça. Donc toute personne est bienvenue pour passer du temps avec les chats. Et j'ai besoin de gens qui passent et prennent le temps. Donc jouer, et parfois c'est juste se mettre dans un coin, lire un livre, ça les habitue à la présence humaine. Par exemple, petit tigré là, oh je sais pas, qu'est-ce qu'ils me veulent ces humains? Ben rien, on est là. Un peu comme quand on a un chat qu'on apprivoise à la maison, c'est le moment où on fait la sieste, ou quand on est allongé sur le canapé, il vient nous sentir les pieds, on est intrigué. Donc voilà, et mon refuge est ouvert aux personnes qui sont ouvertes à prendre le temps et à donner de leur temps pour eux. Voilà, je, câlin, lecture et bronzette. Oui, on a aussi besoin parfois d'être plusieurs à jouer, parce que c'est toujours les mêmes qui y vont. Et du coup, le petit dernier, ben,
Il attend. Et il peut attendre parfois très longtemps. Enfin, ou attendre qu'il soit adopté. C'est aussi pour ça qu'avoir trop de chats dans un enclos, c'est pas bénéfique pour les plus timides ou les dernières arrivées, un peu comme à l'école, quand c'est toujours le même qui parle, sans lever le doigt, et qui répond avant qu'on ait fini de poser la question. Ben, ça stimule pas ceux du fond près du chauffage, et à la fin, ben, autant attendre que ce soit la récré. Et eux, c'est un peu pareil. Donc, ils peuvent aussi ne pas évoluer à cause d'autres qui sont trop youpi tralala. Et comme on n'est pas subventionné par l'État, on essaie, nous, de prendre des initiatives pour faire rentrer des fonds, de faire des événements, des ventes, des tombolas. Parce que souvent, on me demande comment vous vous en sortez. Et après, c'est vraiment les gens qui ont vu le travail qu'on faisait, les adoptants. Souvent, ben, en fait, c'est des gens après qui restent fidèles, qui nous envoient des dons, qui financiers ou croquettes ou matériels. C'est vraiment une petite famille qui se crée. Une fois qu'on nous connaît, qu'on connaît notre travail. Là, je lui dis, attends, attends. J'adore quand elle vole. Écoute, tout le monde est prêt pour l'œuf? 1, 2. Bac, non. Super, go pendant ce temps. Hop, les chats libres. Voilà, c'est le max de notre relation. Voilà, c'est le max. Voilà pourquoi il est libéré. C'est-à-dire que je l'ai eu, chaton, 5 mois, quelque chose comme ça. Et je sais que quand il y a 5 mois, selon le passé, le passif, les gènes et ce qui s'est passé, je ne peux pas avancer. Donc, j'ai tenté, toujours sans cage, dans une chambre ludique, avec d'autres chats du même âge, des référents plus âgés. Aucune évolution, aucune évolution. Et je les laisse faire leur vie. 100% ils se fidélisent, 100%. Alors, toujours pareil, hein. Minou ! Voilà, hein, il veut toujours pas être adopté. C'est pas grave, mon ami, tu peux passer ta vie ici si tu le souhaites. Donc, ceux qui sont en liberté, ils sont super fidélisés, et c'est ceux qui ont choisi de pas être en contact plus que ça avec l'humain. Ben, ça me va, moi. Parce que c'est quoi le but ? C'est que eux soient heureux. Donc, vous êtes heureux ? Ouais, c'est bon. Donc là, c'est ma truie. Hein, Riri, ma petite Riri, ben, elle aussi elle est rescapée. Elle a erré dans les vignes de Béziers des mois. Donc on me l'a signalé, moi j'étais dans un autre refuge où je m'occupais des chiens et des chats. Oui super le cochon, ben désolé, on va essayer de diffuser, de chercher, de machin. Madame elle a cherché partout, dans tous les masses aux alentours, elle a publié sur les sites. Et du coup elle commençait à être bien connue en bord de route et tout le monde lui donnait à manger. Elle était encore plus grosse, c'était le compost du bord de route. Et ça commençait à être dangereux déjà, son poids. Parce que moi, elle n'a pas de protéines animales. C'est ça qui fait la graisse et qui fait qu'on prend du poids et qui n'est pas bon pour ses petites articulations. Et du coup, ben, à la fin, j'ai bien compris qu'en fait, personne n'allait la récupérer et que ses jours commençaient à être en danger. Donc, ben, on me l'a amené. C'est mon petit cadeau. Voilà. Donc, je l'ai appelée Riette. C'était pour sensibiliser les gens qu'un cochon, c'est sympa et que ce n'est pas forcément pour finir en assiette. Mais c'est peut-être lourd, ce que je lui ai mis comme nom. Donc c'est Riri pour les intimes. Hein, ma Riri ? Oh, ma Riri, elle est super gentille. Quand elle n'est pas contente, elle fait juste ça. Ouais, mon cœur. On ne sait pas d'où tu viens. C'est pas grave. Oui, ma belle. On ne sait pas ton âge non plus. Voilà. Avec ses copines, les poulettes. Coucou, coucou ! Voilà, c'est la famille. C'est la famille, hein ? Tout le monde t'entend bien. Oui. Allez. Poule qui vole. Petit pigeon.